elle est parvenue à créer l'exploit. Léolia Jean-Jean, 227e mondiale, s'est imposée face à Karolina Pliskova, 8e. Lors du prochain tour, elle affrontera la Roumaine Irina Camelia Begu, 63e. Une nouvelle fois, la jeune joueuse de tennis va devoir sortir son meilleur jeu pour espérer s'imposer et continuer son aventure dans le tournoi du Grand Chelem et vivre son rêve éveillé. Il faut dire que la joueuse française de 26 ans a bien cru qu'elle ne pourrait plus jamais jouer. Alors qu'elle était un espoir du tennis français, à 14 ans, elle a été victime d'une triple luxation de la rotule. Tous ses sponsors lui ont tourné le dos, tout comme la Fédération française de tennis, FFT, tout s'est arrêté brutalement et je l'ai mal vécu. J'étais un peu perdu, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, a-t-elle raconté dans un documentaire diffusé sur France 2. CEST aux États-Unis qu'elle est parvenue à retrouver la confiance. Si aujourd'hui elle fait la fierté de tout un pays, on est en droit de s'intéresser si un homme fait battre son cœur. À en croire ses réseaux sociaux, la jeune femme est célibataire. Léolia Jean-Jean semble être discrète sur sa vie privée, mais Léolia Jean-Jean est peut-être seulement très discrète sur sa vie privée et cache juste peut-être bien son jeu. Une chose est sûre, ses proches et sa famille doivent être très heureux de la voir enfin atteindre son rêve et prendre du plaisir sur les courts de tennis. Ils seront tous derrière elle samedi 28 mai 2022, dès 11 h. Elle espère une nouvelle fois créer l'exploit pour poursuivre son rêve.